on pourrait ajouter en plus de ces danses imposées qu'elle se lance en famille, puisque après la famille Rauer pour l'Allemagne, bien voici la famille Hugentobler pour la Suisse. Il y aura ensuite un Togo argentin, danse imposée complètement différente, peut-être d'ailleurs un petit peu plus intéressante, danse de caractère, danse de type. Oui, et surtout beaucoup plus complexe techniquement, alors que la polka, nous vous le disions, n'affiche aucune particularité technique. Véritablement une danse là, uniquement axée sur la vélocité, la vitesse, la dextérité, et je dirais presque l'engagement physique. Et d'ailleurs, hors antenne, puisque nous n'avions pas encore commencé la retransmission, nous avons eu une démonstration particulièrement probante du couple que nous soutenons tant, Michel et moi, à savoir le couple Drobiazko-Vanagas, qui, bien entendu, avec sa puissance et la vitesse qui le caractérise, est particulièrement à l'aise sur la polka, ce qu'il a largement démontré. Couple qui devrait logiquement, si l'on tient compte du fait des bonnes résolutions de l'ISU concernant la notation, c'est-à-dire essayer de noter pas trop en raison du standing des uns et des autres et de leur classement passé, mais plutôt de juger sur le fait, sur ce qui vient de se passer sur la glace, un couple qui devrait donc logiquement faire quand même un joli petit bond au classement et monter enfin sur un podium. Puisqu'on parle de classement, eh bien je vous donne des nouvelles du couple français, Isabelle Delobel et Olivier Schoenfelder. Ils sont actuellement en 6e position, c'est-à-dire qu'ils sont quasiment assurés de terminer dans les 12 premiers au maximum de cette première danse imposée.